tous, il est 18h, c'est l'heure de votre récapitulatif ONU favori. Bienvenue à tous et bonne écoute. Nous allons donc vous présenter les rappels, les nouveautés du Orange, les nouveautés inter-serveurs, le jeu concours, puis nous finirons par les promotions et départs du Orange. Pour commencer, nous vous rappelons qu'il est indispensable de placer les panneaux pour les notations à votre iPhone avec les coordonnées de vos nouvelles constructions. Par ailleurs, tous les grades du serveur recrutent, n'hésitez pas. Enfin, nous possédons également un Discord et un Twitter où nous postons diverses informations. Et bien sûr, un assassinat programmé? Rendez-vous sur le site de Nations Glory Orange. Tout d'abord, voici les nouveautés du Orange. Nos plus grandes félicitations au pays Île Victoria qui fait passer le château d'Arbin en tant que merveille. Ensuite, le prix des drogues et des médicaments a fortement augmenté. Et pour finir, la peine pour le slashback no stuff a été modifiée. Voici les nouveautés inter-serveurs. Cette semaine, le régène de tous les océans a été effectué. De plus, une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube de Nation Glory est maintenant disponible. Celle-ci vous permettra de mieux comprendre le principe des guerres. C'est l'heure du jeu concours. Cette semaine, quelle est la nouvelle merveille qui a été élue à l'ONU? Réponse A, le château d'Arbin. Réponse B, Manado, Indonésie. Pour tenter de remporter 1500$, veuillez répondre en commentaire avec votre pseudo et liker la vidéo. De plus, félicitations à Matisse-du-bas8859 qui remporte le dernier jeu. Dans les promotions et départs de cette semaine, dans la mafia, nous pouvons féliciter Panda Aveugle qui passe recrue et Patate Diamant qui passe mercenaire. Dans la gendarmerie, nos plus grandes félicitations à Darkludlol qui passe adjudant. Merci beaucoup à Yangtib pour son investissement en tant que guide. Et dans le staff, nous pouvons féliciter Pokénix14 qui passe modérateur plus et nos plus grandes félicitations à Gamingcraft du 80 qui passe super modérateur. C'est avec nos plus grands remerciements que nous clôturons ce récapitulatif de l'ONU. Nous espérons que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie, et bien sûr, à la semaine prochaine.